Merci d'être avec moi ici à Ifuanzondo, dans la province du Kwilu, au diocèse d'Idiofa. Je suis heureux de vous accueillir ici en cette année de grâce 2019, en cette année où je célèbre mes 40 ans de vie consacrée. C'est ici à Ifuanzondo que j'ai commencé. J'ai prononcé mes premiers vœux le 8 septembre 1979. Dieu soit loué. En 1978, j'ai eu mon diplôme d'État et je suis arrivé ici. J'avais 18 ans. Je venais du petit séminaire de là-bas. C'est là que j'ai rencontré les missionnaires Oblats de Marie Immaculée de façon particulière. Le curé de mon village, Louis Sebretz, mon village c'est Lozomonene, dans ce diocèse d'Idiofa, ce curé était un Oblat, le père Louis Sebretz. Mais j'ai rencontré au petit séminaire de là-bas le père Benoît Kabongo et le frère Roger Durand et j'ai décidé de devenir oblat comme eux. Et je suis donc arrivé ici quelques jours après mon diplôme d'État. Je suis arrivé ici avec 9 copains pour commencer le noviciat. C'était ici. Le maître des novices était un certain Louis Mbol. Il est devenu plus tard évêque d'Isangi, puis évêque d'Idiofa, et maintenant il est émérite. Du noviciat n'existait pas encore en 1978, ça a été construit après. Le noviciat Mouké. Mouké, le frère Mouké, je l'ai connu, il était au petit séminaire de là-bas en 6e année lorsque moi j'étais en 3e. Il voulait devenir missionnaire au Oblat de Marie Immaculée avant nous. Il est mort, novice. C'était à Kinshasa. Il était novice ou noviciat de scoutistes, comme on les appelle, et son nom a été attribué. Et le noviciat des Oblats au Congo porte le nom du frère Mouké. Voilà que je me trouve ici au bout de deux chemins, si je peux dire. Il y a ce chemin qui mène au cimetière. Là reposent des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Pour nous rappeler toujours que nous entrons, nous, pour nous inscrire dans une vocation, que d'autres ont entendu un appel que d'autres avant nous ont entendu. Une vocation où nous ont précédé beaucoup d'autres, Congolais et non Congolais. Et alors, à gauche, c'est le chemin qui mène vers l'entrée principale du noviciat actuel, mais également vers la maison de retraite où nous avons passé, nous, ma génération, ma promotion en tout cas, où nous avons fait notre noviciat. Voilà le nouveau noviciat. Nouveau pour moi, parce que lorsque j'étais novice, ce bâtiment n'existait pas. Il a été construit après. Où j'ai passé mon noviciat, eh bien, c'est ici. C'est la maison de retraite. Elle existait déjà depuis quelques années. Et c'est là que provisoirement, lorsque une nouvelle génération de jeunes Congolais s'était présentée pour devenir oblat, c'est ici que le noviciat a été placé. Je ne raconte pas l'histoire. Depuis 1931, depuis que les Oblats sont arrivés au Congo belge, depuis les premiers novices, les premières générations, Louis Mbol, dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà, c'est l'un des tout premiers
Benoît Kabongo, que j'ai cité aussi, voilà, un des tout premiers. Mais en tout cas, la nouvelle génération qui commence en 1975 avec le frère Mouquet, puis Jean-Pierre Boisluel, puis notre promotion avant la mienne, ben voilà, c'est ici que nous avons fait notre noviciat. Cette maison était la maison de retraite. Elle l'est encore aujourd'hui. C'est aussi un centre pour des sessions, pour des rencontres. Mais à ce moment-là, c'était la maison de retraite construite bien providentiellement pour accueillir ceux qui venaient dans ce diocèse d'Idiofa, ceux qui étaient des ecclésiastiques, il y avait des religieuses, il y avait des prêtres diocésains. Tout le monde, dans ces années 70, tout le monde venait ici en retraite. Et donc, quand les Oblats ont rouvert leur noviciat, ils sont venus dans ces locaux. La chambre numéro 20, c'était ma chambre, c'est la dernière de cette aile. Il y avait 10 novices, il y a 10 chambres. J'ai occupé la chambre numéro 20 parce que j'étais le plus jeune, j'avais 18 ans, je l'ai dit. J'ai prononcé mes premiers vœux à 19 ans. Eh bien, cette chambre, je l'ai occupée depuis le mois d'août 1978. Je n'avais rien à y mettre. Je n'avais même pas une valise. 3 jours avant, on m'avait dépouillé à Idiofa. Un voleur s'était emparé de tout ce que je pouvais avoir. Et donc, je suis entré chez les missionnaires Oblats de Marie Immaculée, les mains vides. Le Seigneur avait voulu cela comme ça. J'ai passé une année ici, dans cette chambre, avant les premiers vœux, le 8 septembre 1979. Bien sûr qu'on apprend des choses au noviciat. J'ai appris beaucoup de choses au noviciat. Ce que je retiens, c'est ici que j'ai appris à connaître le Seigneur de façon spéciale, dans la prière, parce qu'au noviciat, il y a beaucoup de temps de prière, et c'est dans cette chapelle. J'occupais exactement cet endroit, tous les jours. C'était ici la place qui m'avait été assignée par le maître des novices, Louis Mbor. J'ai occupé donc cette place le matin, à midi et le soir. 40 ans après, je retrouve cet instrument. J'en jouais, j'étais là toujours. Et alors, les générations l'ont gardé ici, je ne sais pas pourquoi. Mais ça fait au moins 40 ans entre mon entrée au noviciat en août 1978 et le jour où je sors officiellement d'ici, c'est-à-dire après la profession, la première profession religieuse, les premiers vœux de chasteté, de pauvreté, d'obéissance et de persévérance. Nous avons prononcé le vœu lors d'une messe célébrée dans l'église paroissiale du Fonzondo, mais à chaque fois que nous venons, mes condisciples, mes compagnons, mes confrères et moi, à chaque fois que nous revenons ici à Fonzondo, nous ne pouvons pas ne pas ressentir au plus profond de notre cœur l'amour du Seigneur qui nous a appelés, qui nous a choisis. Et pour mon cas, 40 ans plus tard, j'en suis encore là et je voudrais que vous puissiez prier pour moi, pour mon vœu de persévérance plus particulièrement. J'ai été heureux cette année, en ce mois d'avril, en ce temps pascal, en ce mois d'avril 2019, j'ai été heureux de passer la retraite avec des confrères
et de voir mon maître des novices participer à cette retraite. Je vous souhaite à tous joyeuse Pâques et à ceux qui me regardent en dehors du temps pascal, n'oubliez pas, le Seigneur ressuscité est toujours présent, vivant au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Merci.